On est à Jardiland d'Artigues, les amis. J'ai oublié ma poussette, du coup, il venait dans mes bras. À mi-chemin, quand je me suis rendu compte que j'avais oublié, je me suis dit, c'est pas grave, il va marcher. En l'occurrence, il dort. Donc, il ne marchera pas. Je pense que je vais me bloquer le dos. Nématontus grégari, je connais pas. Tu peux bien marcher, mon petit Evan. Je te réveille, tu vas marcher un peu. Ici, on a le coin des bonnes affaires. Je vérifie au cas où il y a des Oya qui traînent, on sait jamais. Non. À première vue, non. Il s'est réveillé, mon petit cœur. Reviens, bébé. Par contre, il va pas vouloir aller là où moi je veux aller, donc ça risque d'être compliqué cette vidéo, les gars. Ça va pas être une partie de plaisir, je vous le dis. Voilà. Regardez-moi ce bégonia incroyable. Les Silveriennes à 24,95, tout simplement géant. C'est un bégonia, il est tout noir, il est incroyablement beau. Bégonia Black Fang, 19,99€. Celui-là, je ne l'ai jamais vu à mon avis. Il est très 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 joli. Oh, il pleure mon amour, il ne veut pas que je le lâche. Je vais le reprendre, tant pis. Je vous montre vite fait celui-là. Regardez-moi, ces tons blanc, rose, vert, il est incroyable. C'est un Peperomia Polybotria, 9,99€. Et Evan est en train de se barrer du Jardiland. Mon, qu'est-ce que tu fais? Viens dans mes bras. De jolis philodendrons Brésil et de beaux manjoulas. Si vous n'y arrivez pas avec les manjoulas, n'hésitez pas à acheter des choses à pont. Ou à les faire vivre en eau, tout simplement en eau et en pont. Il meurt pas. C'est magique. Je peux vous dire que j'en ai tué un sacré paquet. Hein. De jolies alocasia zébrina. Calathea White Fusion. Ça va être très compliqué de filmer jusqu'au bout avec ce petit bébé d'amour dans les bras. Mon petit cul, j'ai oublié ta poussette, c'est pas de ta faute, hein.
Allez, marche un peu. Regardez la feuille là, hormis le fait qu'elle soit abîmée, très argentée de ce cristallinium. Il est encore plus argenté qu'un silver blush. Evan a piqué un pchit-pchit. Je suis là. Je n'ai pas abandonné mon infâme. C'est que si je ne laisse pas marcher un peu et faire sa vie, il risque de pas kiffer. Il est très joli ce petit Marble Queen. Arrête Agathe. 4,90. Alors attendez, parce que je veux bien qu'il touche, mais je veux pas qu'il aille vers là où c'est fragile. Evan, t'as pris un pchit-pchit? Tu veux faire un pchit-pchit sur les plantes? Viens. Viens, on va pchiter les plantes. Tu viens? On va là-bas voir les bébés plantes. Ça va être compliqué, les amis, de vous faire une vidéo, là. Mais c'est que ça me fait trop mal au dos d'avoir un bibou dans les bras. Il est lourd, hein, mine de rien. Ça paraît pas, mais... Il est lourd. T'éloigne pas, hein, chouchou. Viens là. Il y a plein de Brésil. Si vous en cherchez un, bon courage pour choisir. Bon, moi, je suis à fond sur le cream splash en ce moment. Donc, je vais me calmer un peu sur ce basique-là. Surtout que le cream splash, c'est exactement la même chose, sauf qu'il a des taches blanches. Donc, on va pas en avoir 50. Ça servira à rien. La nouvelle feuille de celui-ci est incroyable. Evan? Oh là là, il s'échappe. Evan, je veux bien que tu te balades, mais pas à côté des terrariums en verre, s'il te plaît. C'est de la mousse plate verte en vrac, mon loulou. 1,20€ pour ceux qui en cherchent pour mettre dans leur terrarium. Soit dit en passant, bébé. Allez, venez, monsieur. Venez. Venez, monsieur. Vous êtes curieux, c'est bien. Tant qu'il a son vapeau dans les mains, ça va l'occuper. Je pense que je vais gagner quelques minutes de vidéo, les gars. Mais je ne sais pas combien de temps je vais gagner. Beau bégonia. De toute façon, à chaque fois que je vois un bégonia, je dis qu'il est beau. Et après, j'ose dire que je n'en veux pas et que je n'aime pas ça. C'est un peu culotté de ma part. Coucou. Aujourd'hui, il n'a pas amené son poteau. Ah oui, heureusement. J'en peux plus. Hein. Ah ouais. Il est incroyable celui-là, si vous en cherchez un, si je pars pas avec, j'hésite, mais j'en ai trois, faut que j'arrête. Il est trop beau. Oh, c'est pas mal, c'est beau ça. Il est énorme par contre. Astrophytum Myrastigma, 8,95€. Splendide, j'aime bien. J'aime bien. Monsieur, c'est là, Evan? Viens là. Tu pars du mauvais côté, chouchou. Une floraison sur cette magnifique Alocasia Dragon Scale Wetlandi petite Monstera Densoni Aurea. Il y a
des pieds verts, c'est ça le souci. Mais sinon, les pieds qui sont jaunes sont beaux. Tu ploufes. Tu ploufes. Vas-y, saute dans la flaque. Saute. Il a pas osé. Oh, celui-là, il est vraiment joli. Syngonium morea. Bah, les feuilles ne brunissent pas ici et pourtant elles sont très très jaunes. 59,95€. Très joli, celui-là est moins jaune. C'est peut-être plus sûr. Alors, il n'y a peut-être pas assez de lumière chez moi. Du coup, je l'ai éloigné de la lumière en pensant que c'était ça. Mais vu la lumière qu'ils ont ici, je me pose des questions. Du Dark Form. Du Syngonium Godzilla. Bon, le mien est officiellement décédé, je vous le dis. Si vous vous posez la question. Et bien, il y en a toujours, ils sont à moins 20% pour ceux qui en veulent un. Le Starlight, ben, j'ai décidé de le garder parce qu'il me fait des feuilles incroyables. Evan vient de poser sa main sur les cactus. Evan, on n'arrache pas les fleurs des cactus, mais soit dit en passant, tu as très bon goût. Aïe, parce que celui-là est incroyable. Bon, j'ai pas pris le pot avec, c'est pas grave, je vais le remettre. Regardez. Non, ça pique. Non, aïe, bobo. T'as peur de rien, ce gosse. Attendez, parce que j'ai pas envie de me piquer. Non ! Ça pique, maman, elle peut se piquer. 3,50€. Oh, je l'aime bien. Je veux pas en acheter un variegata et je vais me retrouver à en acheter un comme ça, tout vert. Mais il fait des fleurs incroyables aussi. Il me tente grave, il est vraiment beau. Tu t'es piqué, chouchou. Je t'avais dit non. Apprends, hein. Je savais que t'allais quand même y toucher, mais si je t'en empêche, tu vas pleurer et tu continueras les autres fois. Là, à mon avis, t'as compris. Il est vraiment très joli. J'en ai vu des variegatas incroyables. J'ai pas craqué, mais celui-là en tout vert, comment vous dire, et c'est pas à mon avis la même marque, enfin la même famille ou la même sorte que ceux qu'on recherche tous activement en variegata, qui sont incroyables, hein, soit dit en passant. Lui, il est tout vert, mais chez moi, j'ai pas envie d'avoir de cactus. Mais si vous en voulez un, celui-là, il est particulièrement beau. Arrête de te piquer. Il continue. Ça pique, il continue. Regardez, regardez. On ne touche pas. Ça pique, monsieur. Allez, venez. Avancez, mon bonhomme. Je suis fatiguée. Vous allez trop vite, Evan. Attends-moi, Evan. Très mignon. Regardez. On dirait un peu le temple de Bouddha. Crassula pyramidal, 8,95€. Très beau. Très, 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 très beau. Alors, attendez, parce qu'il reste des... Il en reste deux variegatas à 17,95€, là, des gymnocactus. Je vous les remontre rapidement. Donc, nous y sommes. L'autre est bien mignon aussi, là-bas. Ils préparent des fleurs, les deux. Tu viens, loulou? Je regarde parce qu'à tout moment, il peut partir en courant. Genre, je le lâche des yeux 2 minutes. Il est à l'autre bout du Jardiland. Je le retrouve au rayon poisson. Bon. Hop, on va regarder vite ici. Marrant, je connais pas. Portable est en surchauffe. Alors je sais pas ce que c'est que cette petite mignonnerie. C'est vraiment tout petit, hein. Ça fait la taille presque d'un pouce, voilà. Un peu rose comme ça. Regardez comme c'est mignon. Et alors apparemment c'est un sulcoré butla roshi red, 3,99€. Bon bref, je sais pas ce que c'est, mais c'est trop mignon. Je voulais vous le montrer. Et il y en a plein. Jamais vu, jamais entendu parler et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bon, allez, je fais un dernier petit tour à la va-vite. J'ai beaucoup papoté. Mais parce que... j'ai papoté pour de bonnes raisons. Vous verrez dans quelques jours. Je vous prépare quelque chose, les gars. Vous n'êtes pas prêts. Et il faudra attendre quelques jours. Voilà.
Oh là là, si j'arrive à garder le classique, je vous jure que je l'achèterai en variegata celui-là. Je pense que nous avons tout vu, ou presque. Oh là là, ça y est, il y a du Louane à fond, ça va me démonétiser. Les gars, on va y aller, on va aller voir s'il y a encore des axolotes, juste pour le plaisir de voir s'ils ont aussi bien évolué et grandi que le mien. Parce que je l'ai acheté ici, je sais pas si vous savez. Du coup, je vais aller voir ses frères et sœurs maintenant. Coucou les loulous, on est le lendemain. Finalement, j'ai pas filmé les axolotes parce que je les ai pas trouvés exceptionnels. C'était certainement pas les mêmes que quand j'ai eu le mien parce qu'ils étaient beaucoup beaucoup plus petits que le mien qui a triplé de volume depuis que je l'ai. Enfin bref, j'ai pas filmé. Et voilà où se finit ma vidéo, les gars.